Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Bagay, si c'est moun nan fait le pou contre li, ou t'en dit moun nan fait arbitraire, l'a changé bagay, mais si c'est l'adresse à souveraineté a qui c'est peuple là, je pense li juste li normal au lieu que gagnon babouquette qui mettait voulu, c'est un babouquette voulu qui mettait pour bloquer le. Et ou après chaque monde qui a tiré pied yo, yo tiré pied yo parce que y a intérêt on ka dit personnel. Qui donc ça moins comme en tant que ministre agriculture m'a demandé pays a c'est tout et agriculture dans tout pays du monde soutenir pays a et pas gagne rien qui produit, qui passe autant la terre. Avion qui a volé dans la terre sorti. Rad qui sont dans la terre sorti. Manger n'a pas mangé dans la terre produit. Moi, je pense que c'est une occasion plus que jamais. Un avantage immédiat dans la nouvelle constitution. Je pense que c'est un moment plus que jamais pour le peuple haïtien décider oui ou non s'il a changé la constitution. Moi, avant de finir, je m'a demandé un petit mot pour tout le peuple haïtien qui. Parce que Haïtien en général, c'est Saint-Thomas, c'est quand vous croyez. Même que cette fois-ci, vous croyez que le coronavirus là, en plein pays, je m'appelle chaque grand monde qui vit en Haïti. Les gens qui sont trop, nous n'avons pas besoin de perdre du monde, nous avons besoin de monde. Richesse du pays, c'est la population, c'est la jeunesse. Nous avons besoin de protéger tête nous pour nous mettre masque. Respecter les consignes du ministère de Santé publique Bayo pour nous capter du moins de monde que possible en attendant. Qu'il y ait une solution ou bien COVID l'a atteint. Merci beaucoup. Et qu'on y a, et certainement, avant nous introduire et prochain intervenant, nous, et n'a profité pour nous saluer tout, et secrétaire d'État, et Dieu sait, qui est avec nous, mais qui lui-même pourra présenter nous un programme spécial pour jeunes par rapport à la Constitution qui s'est corée. Mais avant, nous avons la ministre du Tourisme, Myriam Jean, qui pourra parler nous du secteur palier, secteur touristique là, et la nouvelle constitution. Merci. Merci, collègues. Bonjour aux collègues ministres, à la collègue secrétaire d'État, Maggie Diossé, et bonjour à tout le monde. Tout le monde qui a attendu nous là aujourd'hui, hein, nous dit bonjour et merci que vous êtes en onde avec nous là aujourd'hui. Hein. Tant que le ministre de l'Agriculture là, a parlé, tant que le ministre Mathias a dit tout à l'heure, et sûrement le ministre de l'Environnement a dit ça tout, et tout collègue qui passait avant, tout intervenant, on a attendu un seul mot qui a répété tout le temps, instabilité. Il paraît tant qu'on mot français, peut-être on va qui dans l'air, mais instabilité ça a tellement porté des conséquences graves, non seulement de manière ponctuelle, mais sur le temps dans le pays, hein, que nous ne pouvons pas jamais mesurer l'impact instabilité. Ça a ramené ma étude qui était faite après pays loc, épisode de pays loc, qui ça s'apporte comme impact. Moi-même, le mal est sur les réseaux sociaux, m'a regardé un jeune qui fait à l'étranger, mes parents c'est haïtien, parents la parlé de Haïti, qui en vivent en Haïti, et puis parents dit sort pour aller chercher Haïti. Ou pas de Haïti, c'est kidnapping, c'est insécurité, c'est pays loc, c'est goumé, c'est etc. Et ça, yo fait mal personnellement et particulièrement à secteur PAMNA, parce que c'est secteur PAMNA qui touché. Secteur PAMNA, son secteur de. N'a pas de beauté, n'a pas de déplacement, n'a pas d'évasion, n'a pas de côté que moun nan kite quotidien, le travail, 8 heures de temps, 10 heures de temps, pour le venir, pour le ressourcer, pour le changer environnement, pour le belle lande, pour le belle plage, bel paysage. Malheureusement, ces dernières années, nous pas qu'à gagner ça. Pour qui ça? Donc, et nous-mêmes avons d'accord que journée jodi, nous avons commencé à gagner voler machine. Après ça, nous avons gagné
kidnappé. Après ça, nous c'est nous une sphère de violence que au fur et à mesure n'a pas entré là-dedans et n'a pas venu image ça yo, et au fur et à mesure nous même yo de plus en plus à décourager pour venir visiter la caille nous. C'est constat ça nous fait jodi hein. Et c'est un coup nous pas frère qu'on y a. Nous pas qu'on côté ça pour arriver, là pas avancer, là pas avancer. Hier au monde qui a demandé mon vidéo qui a circulé, mon n'a dit vidéo ça a arrêté en Haïti seulement, il a arrêté sous téléphone nous. Il y a tout côté, Russie, Bulgarie, il y a tout côté parce que sous internet là qui c'est une fenêtre mondiale. Et puis mon n'a dit bon, qui côté nous pour aller? Je dis et ça a affecté tourisme. Journée jeudi tourisme qui a représenté secteur qui vecteur qui plus rapide pour développement. Et l'homme dit développement, pas seulement dit développement infrastructure, mais développement humain. Par exemple, collègue Abner qui est dans le domaine ensemble avec nous, nous connaissons ça, ça veut dire le quelques monde à la commune. Le monde à la commune, il faut dormir. Faut manger, faut boire. Et qui côté le bras? Il va venir à manger. Il va venir à cabane pour dormir. Il va venir en tente. Il va dormir dans espace qui sont hôtels, qui pral besoin personnel. Il va manger. Automatiquement, on passe à quoi? Elle est arrivée dans une zone, dans la quatrième section, Tigouave. Pour exemple, non, il va manger, manger zone. Au fait, c'est ça l'a cherché. Autant ça, elle est authenticité en tourisme là. Donc là mon ça arrivé forcément li pral gon impact sur économie zone parce que jeune nan zone nan pral servi nan restaurant nan hôtel là. Femme nan zone nan pral travail nan hôtel comme moun k'ap ranger chambre yo, k'ap laver et ainsi de suite. Donc nous wè ça ça pral faire sur économie zone nan et sur moun k'ap travail. Moi-même moi font constat depuis ces 10 dernières années. Moun k'ap travail pas nan instabilité. Moun k'ap travail pas nan violence. Faut de tout ça yo, le m'ap gade secteur pa nan qui non seulement te touché en Haïti par toute situation que me fait que di nou yo là et puis qui vinn touché kounyan par coronavirus. Donc notre secteur est mort. Nous regardons actuellement toutes conséquences ça, c'est frein à l'investissement. Qui dernière fois nous avons un gros hôtel à construit dans le pays? Un gros hôtel de plage qui pourrait m'abgarder la République Dominicaine. C'est bon, on dirait qu'on y a ces terres pour gagner, pour faire projet, pour faire projet. Alors que nous-mêmes nous gagnons, mais instabilité. Et ça a ramené ma constitution, ça. Je vais retourner sur ça. Nous avons des limitations, déplacement moun. Dernièrement, nous faisons tourner dans le sud. Le sud mourit non seulement par des problèmes environnementaux. Nous avons pensé à Port-Salut particulièrement, mais à des problèmes de sécurité. Parce que pour traverser pour aller dans le sud, là, des fois, obligé en véhicule, obligé poser tout en pile question. Et c'est pas tout le monde qui a permis de prendre avion. Et puis, nous allons regarder le prix. Le fait que pas un jeu concurrence, monsieur, que nous toutes l'avons fait expérience. Si dans la province, le nous garder le prix pour nous aller dans nos chambres d'hôtel, et non seulement les chambres d'hôtel sont chères, mais il n'est pas disponible non plus pour nous joindre des chambres de communaux, côté qui est moins cher, côté que paysan recevoir nous. Faute de qui ça? Faute de décentralisation pour ouvrir pour nous avoir accès au minimum, à un minimum de confort. Tout ça, nous n'avons pas de problème, mais ça, c'est des freins au développement du tourisme. Et quoi me souvenez, là, on dit que le tourisme dans son secteur transversal, c'est seul tourisme. Là, lui, il va prendre deux exemples avec nous. Agriculture, je vais prendre exemple formation, secrétaire d'État à la NAPSALU, formation parce que le monde n'a pas servi dans l'hôtel. Moi-même, moi participé déjà à des formations et puis m'a regardé. Mais mon yo mal est dans l'hôtel, mon yo uniforme, yo bon même service et puis toujours prêt à l'écoute. Mais ça, c'est formation qui porte. Donc automatiquement, on forme jeunes, jeunes qui travaillent, on forme femmes, femmes qui travaillent et puis économie à brûler. La fille qui travaille, la occupe petite lit, la voie petite lit l'école, petite lit pour le professionnel.
tout ceci dans le respect de l'environnement. Moun a pas acheté manger, agriculteur a produit manger, l'eau, courant, et puis son moteur, c'est un coup son effet de boule de neige, j'en ai dit, et puis l'a grossi, et puis le nous vivons 10 ans plus tard, nous vivons dans la commune, nous ne pas reconnaître la commune. Moi-même, dans le secteur touristique, pas nous, nous avons déjà organisé une causerie autour de la Constitution et nous avons dit la média. Tout outil qui a favorisé que la stabilité d'abord dans le pays, nous appuyons. Et la Constitution, c'est un outil qui a favorisé la stabilité. Il est facile que avant le monde garde et puis nous dit non, pas bon. Non, nous connaissons que nous avons un problème ça en tant que haïtien. Nous rejetons bien avant même que nous. Le ministre nous a dit ça tout à l'heure. Nous avons dit oui pour nous. Nous avons regardé. Je fais expérience personnellement. Je rencontre un pile de monde, particulièrement des fonctionnaires. Chaque jour, je me dis, mais pour qui ça nous pas mettre masque nous? Je dis, ah, maladie, ça va exister. Depuis 2 semaines, chaque jour, tout le monde a masque. Ça, il y a des gens qui mourent, ils sont craponnés, ils disent, ah, maladie a existé. Oui, maladie a existé. Et nous pouvons apprendre à vivre avec maladie corona. Je parle de masque, je parle de vaccin. Quand tout le monde a dit, ah, je vais prendre le vaccin, oui mes amis, parce que tout le monde a mouru avec maladie. Tout ça, c'est des frais, mais que nous pouvons apprendre à vivre avec eux, et je dis toujours ça, de toute difficulté, ça y est, une opportunité. Une opportunité, je dis, pour nous avoir un outil qui mieux harmonise les relations entre pouvoir législatif, pardon. Pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Gon outil jodi qui, par exemple, a regardé un article simple, article 71, qui parlait de volonté de réguler les marchés. Nous parlons nous compte de ça, ça veut dire, qui parlait aussi de autorité de la concurrence. Par contre, si ça arrivait nous, ou même jodi, un caméraman, ou achète ton caméra, après 2 mois, libre en défection, ou t'achetez-le dans un magasin, qui recourt ou bien? Ou pas grand qu'un recours. Eh bien, autorité de la concurrence, ça, que Constitution, ça a parlé de lien, a là pour recevoir plein tout et pour canaliser. Donc, nous-mêmes, en tant que consommateurs, aujourd'hui, nous avons un problème, ça. Je regarde dans la Constitution, ça, il parlait de la droit de la propriété. Nous parlons nous compte que ça voulait dire aujourd'hui, pour un investisseur, pour l'État garantit droit propriété. Or, moi-même qui ai un rapport avec des investisseurs, si on a venu investir dans un hôtel qui a 500, 700 chambres, si je ne peux pas garantir sur le temps que dans 10 ans, que droit propriété, depuis le fait suivant les conditions édictées par la loi, bien entendu, que droit ça allait gagner, que dans 10, 20 ans, que le monde qui vient qui dit, ah, tu as tel problème. Et nous connaissons tout problème foncier que nous avons aujourd'hui. Eh bien, la Constitution s'avine, il y a un article qui prend le garantie droit. Tout ça, c'est pour nous dire nous comment nous-mêmes dans le secteur touristique, là, nous retrouvons. Nous. Et je salue l'association privée touristique qui était déjà, qui était au même tout préparé des causeries autour de nouvelle constitution. Hein. Pour y avoir faiblesse, et nous avons fait ça avec le ministre Mathias et M. Louis Nopierre. Yo wè febles yo, ou bien critique que yo gagne, yo transmet nou yo, gagne qui yo prend en compte. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons une deuxième version. Et jeudi, on a continué le travail pour appuyer outil ça. Par exemple, encore un exemple que le ministre te prend tout à l'heure, élection chaque 5 ans. Nous parlons nous compte qui ça veut dire, au lieu que nous gagnons élection 2 ans, 3 ans, c'est 3 ans, 4 ans ou bien 6 ans. Nous parlons nous compte que ça veut dire que c'est un coup pas gagner répit, alors que traditionnellement, culturellement, c'est l'élection présidentielle là qui drainait plus monde. Donc tant qu'à faire, nous avons une seule élection chaque 5 ans pour tout le monde, y compris président, on seule dépense. L'autre comme ça, parce que l'élection coûte cher, l'autre comme ça, il y a réinvesti dans l'autre secteur. Par exemple, moi j'ai des côtés, moi j'ai contacté nous dans le ministère du tourisme, j'ai dit nous avons une belle plage, nous n'avons pas de route. Comme ça, pour aller investir pour faire infrastructure, pour mener moun à une zone ça. Donc, moi-même, je dis tout le monde merci qui était prêt à temps pour t'aider. Et avant de finir encore, même j'ai avec collègue agriculteur là, je rappelle nous que maladie coronavirus là existait.
prenons précaution nous, si nous voyons un monde qui dit nous, il dit qu'on fait mal, il va te sentir bien, il a la fièvre, dis-lui tant pris, que mon petit distance, mettez masque nous, et puis pour nous, à l'heure, nous commençons à mettre des vaccins disponibles pour la population, hein, comment nous pourrons avancer avec la maladie ça. Donc, encore une fois, moi je dis merci à CCI, hein, merci à tout le monde qui était disposé et gouvernement tout. Pour mettre outils ça à la disposition nous. Moi-même de culture, pas jamais commencé par dire non. Me dit d'abord bon ouais. Qui ça l'a voulu dire pour moi? Gon l'autre aspect encore. Qui était déjà dans la constitution avant? C'est la décentralisation. Département qui a accès à même service, à même droit. C'est important pour nous faire ça aujourd'hui. Et ensuite, m'a parlé tout à l'heure de spoliation. Non seulement l'article ça a renforcé, l'article qui est dans la nouvelle version constitution, deuxième avant-projet, il a renforcé le droit, mais il a allé tout pour aller vers l'autorité qui a gagné tension à faire spoliation. Il a puni beaucoup plus, la loi a puni beaucoup plus. Naturellement, la constitution n'a pas gagné toute bagaille, parce que son loi meilleure, son loi cadre, c'est l'autre. Loyaux qui pral vini kounien, l'autre convention que nous signons, qui pral vini kounien, qui pral recadrer pour tout l'autre secteur. Moi remercie nous et ministre Antias, merci. Toujours pour nous continuer sous même débat et certainement moins sous-tendu avec un pile attention. Et ministre touriste, et nous allons résumer un grand bagage et expliquer là. Il dit nous, si pas gain stabilité politique, pas qu'à gain développement économique. Et si nous gardons bien, nous entendons que nous ne pouvons pas sortir de la stabilité. Ça veut dire nous allons faire 5 ans encore, nous allons faire un mandat président pour finir, qu'il y a élection à faire, CEP, nous allons faire même bataille ça, et puis chaque 5 ans. Je vous dis, pour que tourisme qui a développé dans le pays, qui c'est un plus gros secteur qui a créé travail et qui peut aider le développement agriculture parce que le touriste là vient, il peut consommer local, donc l'agriculture après le développer, nous pouvons produire manger et nous avons une particularité en Haïti, nous produisons ça ou les manger organique, ministre. Ça veut dire bio, son bagage qui est très recherché dans le monde, je veux dire. Et côté que et nourriture, obésité, pile l'autre problème qui va pas gros industrialisation dans la question manger, nous-mêmes nous avons mangé que nous avons cherché. La terre là, dans tous côtés, en dehors, nous avons produit, nous faisons développement, et bien dans ce sens, pour nous connecter deux interventions, nous avons invité le ministre de l'Environnement, qui sont l'autre gros pilier dans le cadre et développement pays, pour venir dire les mêmes comme un secteur là. Pour la question de nouvelle constitution. Merci. Moi, je voulais saluer tout le monde. A commencer par collègue ministre Moyo, secrétaire d'État à la formation professionnelle, et tout un représentant média qui est ici avec nous, et tout le monde qui a pu regarder nous là. Nous avons parlé d'une question extrêmement importante parce que nous avons parlé de loi mère, maman, loi PIA qui c'est constitution. Et comment aussi dans chaque secteur ça y est, eh bien, il y a un bail qui est important pour nous dire, pour nous ouais, et pour la société à capable d'évoluer. Mais je vais commencer avec une simple chose que yon monde te dit, c'est Montesquieu te dit, la loi dérive de la nature des choses. De 87, 1987 à journée aujourd'hui, nous sommes capables de dire que la société noire a explosé.
gan pile bagay qui passe. Nous capables sous angle migration, sous angle diminution la production en particulier agricole que nous gagnons, sous angle intensification coût temps yo, vulnérabilité population, éclatement tissu social yo, et ordre international yo, parce que nous affectés par eux-mêmes, soit positivement ou négativement, mais surtout par la question du changement climatique, et pour nous arriver aujourd'hui à cette question de COVID-19, sans que nous pas oublier tout éclatement que vient fait tout sur le plan politique, avec une balkanisation que nous venons gagner dans la réalité ça. Donc on est effectivement constitution 1987 là, il est arrivé le moment bien précis et qui était fait suite à un référendum et il y a des choix. Nous capables de dire qu'il y a un pile acquis qui était fait. Mais en même temps, à partir de tout ça qui est censé aussi, nous avons un pile limitation qui gagne et qui demandait avec évolution ça, eh bien que loi accompagne évolution société a, pour le capable de vivre dans plus bonnes conditions et pour le capable de permettre que le pays a les développer. Et je ne vous dis sans doute, nous n'en carrefour ça. Et mon collègue Mario qui parlait avant moi, que ce soit ministre de l'Agriculture, que ce soit ministre de là, il insistait sur l'aspect instabilité politique. Mais naturellement, ce n'est pas l'instabilité des 34 dernières années, tout simplement. C'est une constante de la réalité d'Haïti et que je ne vous dis pas, nous avons besoin vraiment seulement le concerner, mais lié actif pour le porter, pour jouer le rôle. Pal. Et c'est important, je ne vous dis pas, nous avons constitution ça, l'insister sur la jeunesse et nous connaissons son pays composé en grande majorité de jeunes. L'insister sur l'autre, pour tout mettre dans un pays qui c'est femme et nous connaissons le rôle femme. Dans la société, non, que ce soit par rapport à l'éducation, mais à l'économie en quelque sorte. On a regardé Mme Sarayo, on a regardé toute l'autre famille dans différents secteurs culturels, artistiques et autres. Eh bien, ça y a fait, ils ont mérité et ont considération spéciale en dans et réalité paysage, j'en pour le bouger. Et nous pas oublier parler de diaspora et tout, que bon considération, attention qui fait. Et nous connaissons plus gros bailleurs au pays d'Haïti. Ce n'est pas les institutions internationales, c'est d'abord diaspora haïtienne, non. Et on croit que c'est justice à eux-mêmes que la Constitution est capable de bailler toute place. Mais n'a pas ajouté aussi, l'une dans l'autre grand pilier qui est important en dans le pays, c'est la paysannerie qui méritait aussi toute attention. Parce que nous connaissons paysannerie, non seulement le grand investissement sur le plan économique, sur le plan ressources humaines, sur le plan environnemental. Et nous sommes capables d'élargir chance à eux et que l'évolution du pays doit apporter justice. Et les m'a parlé justice, justice sociale, que ce soit par rapport à l'alimentation, par rapport à l'éducation, par rapport aux routes et infrastructures routières, énergie, eau, électricité et tout ça, assainissement. Nous connaissons des manques en eux parce que nous avons besoin d'un seul pays. Nous commençons à un pays qui prend sous lit son réalité coloniale, qui bâtit sur la marginalisation, l'exploitation. Il traversait nous après l'indépendance, cette réalité mercantile. Je vous dis, si nous besoin d'un pays vraiment qui marchait, nous devons parler d'un seul pays pour nous sortir dans la barrière de langue, pour nous sortir dans la barrière sociale, pour nous sortir dans la barrière économique, pour nous bâtir un seul pays. Et cette constitution, nouvelle constitution, l'y menait nous vers ça. Nous connaissons effectivement, c'est une demande sociale parce que bien avant cet exercice, on croit que il a cherché ouais, comment pour manier une constitution hein, par des amendements à travers le Parlement et à d'autres niveaux. Mais je ne vous dis à non pas gagner. Et je crois que bonne opportunité présentée devant nous, et comme le ministre Mathias a dit nous, eh bien, le peuple a les souverains. Si constat devant nous, est-ce que c'est une question de qui est-ce qu'a fait lui, ou du moins s'il y a besoin de faire la chose et on s'embarque. Et la vraie réalité pour le faire, c'est le dialogue.
Et cette instabilité, il faut le corriger. Parce que nous n'avons pas capable de faire progrès. Nous n'avons pas capable d'avancer. Tic-tic, tic-tac, pays a bloqué. Route est bloquée. Moun a mouri. Il n'est pas capable de continuer comme ça. Secteur environnement, côté moi-même, je travaille avec le secteur paysanier, je travaille en dedans. Je crois que nous victimes en pile. Je vous dis, non seulement nous avons besoin d'un budget qui est consistant, parce que l'environnement, tu es capable de dire c'est la base de tout. Oui, si tu as parlé de tourisme, agriculture, eh bien, quel que soit le secteur où tu es capable de considérer, l'environnement, c'est premier. Si l'environnement n'est pas équilibré, si l'environnement n'est pas sain, s'il n'est pas capable de jouer au lit, c'est fini. Tourisme, en bien environnement, c'est à la fois une attraction, mais son pourvoyeur de ressources naturelles qui est capable de dynamiser le secteur. L'on prend de l'eau là-dedans qui fait partie de loisirs et autres. L'on prend nature là pour aller respirer de bon air. Et surtout dans un pays de montagne, l'on monte sous tête Monsaïo pour regarder les vues et autres. Donc ça va on l'autre feeling en quelque sorte. L'agriculture, ou pas capable de prospérer dans l'agriculture sous que ou pas un environnement eh bien, qui est remembré, qui diable. Et ou pas capable de vivre en bonne santé, l'organ environnement qui fait avec un pile déchets, un pile et insalubrité en quelque sorte. Mais l'élément principal de l'environnement, c'est d'abord moun, les relations youn à Claude. Quand relation ça, les polluer, ne pas capable parler youn à Claude. Je pense que vous n'avez pas de pays, vous n'avez pas de construit, vous avez un grand goût en vente, vous avez un géo en tête ou, et vous n'avez pas capable de pays souverain. Et je ne dis pas nous avons des aires protégées, c'est massacré à massacrer. Parce que eh bien, toute instabilité, vous profitez, et c'est dans le moment ça, vous profitez de tout faire, tout bagaille parce que vous connaissez l'État acculé. Non, il faut un pays où nous pouvons vivre ensemble et nous sentir nous appartenir à lui-même, faire une bataille ensemble. Ce n'est pas la politique en sens traditionnel là qui doit diviser nous. Au contraire, la politique, si la fait dans le bon sens, il doit unir nous pour nous penser un pays, pour nous penser vivre ensemble. Moi, ça, moi, je dis vivre ensemble, mais permettre pour ajouter, ce n'est pas seulement le vivre ensemble, c'est le faire ensemble. Parce que quand on peut faire ensemble, ça suppose que nous dépasser un simple niveau et là vraiment n'a parlé du qualitatif et ce qualitatif et quand l'autre l'a pour l'a dit oui regardez ce vivre ensemble et le faire ensemble, c'est ce qui nous a donné notre indépendance malgré l'adversité, malgré l'exploitation, malgré manque de outils et guerriers que nous sommes capables de dire, mais grâce à ce vivre ensemble et ce faire ensemble nous vaincrions un système pour nous faire échapper pour une vie indépendante. Malheureusement, c'est vrai, après notre indépendance, nous irons et qui viennent nous, jeudi, eh bien, ça nous vient là. C'est le moment pour nous ressaisir, nous. Sur le plan politique, pour nous recentrer, balla. Parce que nous avons besoin de travailler ensemble. Et cette question, bon ensemble d'éléments qui paraissent dans la Constitution, une là-dedans, je crois que le ministre a parlé de lui, c'est la décentralisation. Qui pas jamais rivé faite en quelque sorte. Donc on croit que le pays ça pas capable développer sans décentralisation. Surtout pas oublier nos bons pays de montagne et ensuite avec un pile barrière naturelle et nous et on croit le tremblement de terre saute montrer nous ça. Si vraiment la décentralisation a été réelle et effective, eh bien on croit que ça qui est passé dans l'ouest et un peu dans le sud-est, je crois que les patates vivent dans ce sens ça. Et je ne vous dis, eh bien, nous devons travailler sur aspect ça. Nous gardons ensemble d'autres changements qui proposés par rapport à un système et bicaméral que nous avons gagné et par rapport au système bicéphale que nous avons gagné. Il faut nous réfléchir pour nous garder les avantages et les inconvénients. Ce n'est pas seulement les intérêts mesquins du parti qui doivent guider nous. Je ne veux dire, nous besoin d'un État impartial, un État désintéressé, voyez, et qui est capable de mener back pays. Les trois champs de l'État sont toujours là, mais il faut que les fêtes, eh bien, dans une volonté vraiment de service et de complémentarité entre les pouvoirs de l'État.
Donc, nous invitons tout le monde à réfléchir sous Haïti. C'est lui qui parle. Nous parlons d'écraser, briser. Aucun droit n'a une position contraire. Mais nous obligés, Chita, pour nous dialoguer. Et c'est dans le cadre de Jalabsa que nous disons, je dis, à pays à traverser des moments qui sont extrêmement difficiles, qui ne sont pas seulement politiques, mais qui également la pandémie. Eh bien, nous, comme notre ministre, nous avons incité tout le monde à respecter les gestes barrières que le ministère de la Santé publique, au nom de l'État haïtien, eh bien, mandé pour nous respecter. Et c'est une question de vie. Parce que chaque monde là peut-être déjà ou touché soit par un membre de la famille, par un ami ou par un proche quelconque. Cela veut dire que c'est pour jouer. Quel que soit côtoyer, dans monde, dans milieu rural, dans ville, dans bidonville, dans milieu UBO, et quel que soit côtoyer, eh bien, geste barrière ça, qui mandé, mettez masque, lavez main, prend pas des pas de distance, leur parler, éviter les accolades, et tout l'autre. Et élément, eh bien, nous invitons, faisons pour nous capables de préserver la vie dans ce pays et limiter la propagation du virus. Et m'a profité avant de finir. Jeudi, c'est 3 juin. Le premier, l'État haïtien, le gouvernement, il a lancé comme chaque année, eh bien, la période cyclonique en Haïti. Et qui a bouclé jusqu'au 30 novembre. Mais nous connaissons avec changement climatique là. Non seulement en mouvementé et que faut nous prendre pile disposition pour nous faire moins perte, mais également gagner bail qui va passer en dehors de saison. Donc, puis écoute, prends du vent. Deuxième bail, je finis de parler de Covid là, mais en même temps, le 5, ça va être la journée mondiale de l'environnement. À cause de situation de Covid là, ou ensemble d'activités nous prévoit pour être faites pendant ce maintenant, il y a quoi de côté nous respecter, par exemple, au CAI, que ce soit avec les activités de nettoyage de plage et avec distance, mais également des activités de plantation et surtout dans Saint-Louis du Sud. Et nous gagnons la fête Value, nous gagnons la fête Nord-Est en quelque sorte. Je crois que ça, ils sont capables de faire. Mais demain, nous avons fait un travail qui est important pour réunir acteurs par visioconférence autour de la table sectorielle environnement. Parce que je crois que l'environnement, c'est l'avenir de ce pays. Il faut nous construire et la politique qu'a faite là, la constitution, elle doit faire de l'environnement le pilier numéro un de l'action gouvernementale. Merci. Merci, ministre. Ministre Mathias Pierre, tu as introduit chaque ministère, ministre tourisme, ministre agriculture et ministre environnement. Nous arrivons dans un moment pour nous prendre une question. Je rappelle les journalistes qui voulaient poser une question. Le numéro c'est 48 97 42 42. SMS, texte ou audio WhatsApp. Et puis, nous avons une équipe là, capable de poser des questions en direct pour vous. Pas oublier, 48 97 42 42. Et si vous même vous faites brancher, nous avons une deuxième sortie, Cypre. Cypre, c'est le centre d'information permanente sur référendum et élection. Dans le même esprit, ça, tu es toujours gagné en pile activité, que ce soit autour du bureau ministre Mathias Pierre, ministre de la communication dans le gouvernement, mais tu as une activité tout au niveau du bureau Mme Magui Diossé, qui est secrétaire d'État, côté que lui-même il a lancé un concours de texte sous constitution, référendum et élection en Haïti. Alors, thème, c'est comment la nouvelle constitution peut-elle contribuer à l'intégration de plus de jeunes et de femmes dans la gestion du pays? Nous avons commencé à recevoir texte et date pour limite pour recevoir texte, c'est 10 juin pour avoir une remise de prix. Donc plus de détails, plus de précisions avec le secrétaire d'État à la formation professionnelle, Mme Magui Diossé, et pas oublier, ou même confrère qui suivent,
48 97 42 42 tout de suite après intervention et secrétaire d'État à la formation professionnelle. Merci monsieur Villefranche. M'a salué toutes collègues ministres qui là et n'a salué la presse, n'a salué tout le monde qui suit l'émission, hein, quel que soit côté que vous ayez. C'est un plaisir pour nous venir jeudi, hein, pour nous parler de Corée, hein, que nous avons dit c'est constitution, référendum et élection en Haïti. C'est un programme Corée 21 que le bureau secrétaire d'État formation a lancé en dans le ministère de l'Éducation nationale pour nous capables d'encourager les jeunes, pour nous inciter, yo même pour aller chercher, connaître et comprendre ce qui a passé dans la question qui est liée à la constitution, référendum et élection en Haïti. Parce que c'est eux qui là, c'est eux qui peuvent remplacer nous et c'est normal pour eux impliquer et Jean Blandien pour eux involve dans tout ça qu'a discuté yo peut-être plus capable gagner une compréhension peut-être et une compréhension partagée. Donc programme coréen li gen la donne un concours que nous t'ai lancé comme nous t'ai fait li dans bureau secrétaire d'état communication hein. Thème nan c'est comment nouvelle constitution en capable contribuer pour intégrer plus jeunes avec plus femmes dans gestion pays. Lancement fait 16 avril, nous baillons prolongation par rapport à engouement que nous avons en pile jeunes gagnés côté que yo déjà a voyé dossier yo, dossier d'inscription yo et yo voyé texte yo qui déjà sur site nous ta capable dit bureau secrétaire d'état formation. Donc gagnons prolongement que n'a annoncé, c'est juste jusqu'au 10 juin, parce que avant c'était 24 mai, et Kounyean nous prolonger date pour remettre texte au 10 juin. Nous capables les trois premiers lauréats et nous te dit nous avons des prix de consolation. Nous reprenons rapidement, disposer de cartes électorales et détenir au minimum un certificat de bac deuxième partie. Pour qui ça? C'est parce que Primio et qui pral accompagner prix que n'a bayo yo gagné là-dedans yo yon bourse d'études en sciences juridiques et pour qui ça choix ça c'est parce que nous estimons que nous besoin yon valeur jeune kounye en là qui pral impliquer yo dans sciences juridiques mais nous souhaitons que option 1 c'est un droit constitutionnel son façon pour nous capable gagner après 5 10 ans plus de jeunes qui capable yo même intéressé dans des débats et capable de porter des lumières, des précisions. Chaque fois, pour le gagner, il y a une possibilité pour nous de discuter soit sous amendement constitution ou bien sous changement constitution. Donc, premier prix, il y a une enveloppe de 150 000 gourdes et il y a une bourse d'études en sciences juridiques. Il y a gagné un laptop et un abonnement Internet sous 2 ans. Deuxième prix, il y a gagné 100 000 gourdes. La gagne une bourse d'études en sciences juridiques, toujours option droit constitutionnel que nous souhaitons, un laptop et un abonnement Internet sur 1 an. Et troisième prix, c'est une enveloppe 50 000 gourdes avec une bourse d'études en sciences juridiques sur 1 an, pendant 1 an. Et 7 prix de consolation, c'est un laptop et un abonnement Internet. Donc, objectif là, c'est pour nous inciter les jeunes, pour nous encourager à participer dans le concours là, puisque ils sont censés 7 jours le temps pour nous constitution ça. Nous connaissons débat déjà lancé, il y a une proposition qui déjà faite pour que gagner des places privilégiées pour femmes, peut-être nous avons proposé des places privilégiées pour jeunes. Donc ça va dépendre de qui proposition. Et nous avons fini pour nous dire que proposition ça, yo, les 10 meilleurs textes, nous allons faire un recueil avec eux et nous allons remettre CCI qui lui-même va garder lorsque il est capable de gagner correction ou bien à jour ou bien s'il recevra voix proposition yo donc n'a gagné des jeunes qui t'ai participé et travail présentation ça li fait dans plusieurs écoles li fait dans plusieurs universités et li fait dans réseaux sociaux yo pour nous dire jeunes yo vin inscrit montrer que yo gen intérêt pour yo konn sa kap
cap discuter parce que c'est avenir yo cap discuter en dans toute forme de constitution. Et n'a vraiment fini avec question corona, nous perdu en pile monde surtout dans secteur éducation hein? Et hier soir nous perdu une inspecteur général ministère éducation nationale et n'a dit paix à son âme qui c'est monsieur le monsieur Chéri, lycée en professeur et émérite que tout le monde te connaît dans plusieurs universités. Donc monsieur Delima Chéri et lui quitte nous et c'est vraiment dommage. Nous gagnons plusieurs directeurs d'école qui quitte nous. Donc ça veut dire que dans le secteur éducatif là il est important pour nous respecter consigne que le ministère santé publique bailan mais il y a des consignes spéciales spécifique que ministère éducation nationale élaboré pour l'école yo en termes de distanciation par rapport à question d'examen yo nous mandé pour directeur l'école yo yo capable plus vigilant dans université yo pour yo plus vigilant pour yo veiller à ce que jeune yo yo mette masque yo et yo respecter des mesures hygiéniques tout qui lié avec masque yo parce que gain de là nous retirer masque dans figure nous déposer n'importe côté mais nous n'importe côté n'a promette au dans visage nous la guerre après ça dans valise nous reprend yo ça veut dire que nous dans une situation côté que n'a affaibli propre santé pas nous et n'a agi tout contre santé famille nous donc nous mandé et que toute institution dans pays a tenu compte de toute consigne barrière yo et pour nous capable rester en santé parce que n'a besoin santé nous pour nous capable continuer développer pays d'Haïti. Merci. Bien, merci Madame Marie Diocé. Donc Cyprès, centre d'information permanente sur référendum à élection. Nous parlons de référendum à élection, mais ce n'est pas seulement référendum à élection où nous parlons, puisque le gouvernement, l'État, conscient de problèmes qui a passé, problèmes sanitaires, c'est ça qui fait que nous lié pendant qu'on a parlé, mais il y a une sensibilisation qui continue à faire tout sous la grosse pandémie, sa maladie sa, qui a frappé nous. Nous pourrions passer dans la phase question étranger que ou texte ou audio WhatsApp à partir de numéro 48 97 42 42. Et pas oublier l'envoi texte, il faut prendre le temps tout pour identifier qui média koye, qui est-ce koye, même si c'est un monde qui... Mais ou souffre partie d'organisation tout, ou abdi, mais qui est-ce koye, et pour de qui kotoye, mais c'est surtout pour les journalistes. Patrice Rizé, nous capables de commencer à ces questions? Déjà la première question, moi c'est Eloge Milfort, journaliste à Radio Métropole. Moi, tandis ancien député Jerry Tardieu qui fait qu'on est, contrairement à sa kabdi, nouvelle constitution, par bay diaspora, vraie place livrée. Parce que, d'après ça, dit, principale revendication diaspora, c'est droit pour le voter. Alors, est-ce que la nouvelle constitution n'a pas garanti droit si là? Est-ce que c'est vrai ça, député Tardieu dit? C'est qui est-ce qu'a répondu, ministre Mathias? Question de Éloge Milfort, journaliste à Radio Métropole. Bon, moi, respecté tout intellectuel, et nous avons le respect pour député Jerry Tardieu, et comme. Quoi côté nous collaborer moi-même avec lui, c'est comme deux vice-présidents chambre de commerce de l'Ouest. Et si le député a bien gardé, il y a deux aspects qui gagnent dans la question loi. Premier aspect, c'est la constitution. Côté que la constitution, elle clairement dit que faut que il y ait des sièges pour au moins 10%. Ça veut dire que selon calcul, puisque c'est loi électorale là, ou encore décret électoral là, qui parle définir ces circonscriptions, qui parle dire qui bosse ces circonscriptions et comment division territoriale la faite pour diaspora. Donc il est clair que en dans la constitution, il fait ouverture pour que gagnent et des députés qui sortent dans la diaspora. Ça c'est le premier élément. Et décret électoral là, lui-même il parle dire comment et combien de députés qui pourraient gagner en fonction de sa constitution fixée. Deuxième partie question, hein, et moi crois que c'est sous question vote diaspora. En fait, tu es toujours un peu de confusion sous est-ce que diaspora a voté ou est-ce que diaspora n'a pas voté. En fait, depuis la constitution amendée 2012, là, n'importe qui haïtien qui était dans la diaspora, il était déjà qu'à voter. Sauf que décret électoral n'a pas
créer ou encore circonscription électorale dans la diaspora, ça veut dire que pas capable de gagner un centre avec bureau de vote dans la diaspora. C'est un problème technique. Et je vous dis, CEPA a adressé le côté que moi-même, moi j'ai fait une visite aux États-Unis, côté me garder au moins et trois missions diplomatiques. CEPA a bien pour annoncer, mais moi crois que votre diaspora après le fait côté que et toute mission diplomatique, ça veut dire chaque centre de vote qui a gagné plusieurs bureaux de vote en fonction de densité population dans la zone ça. Selon Jean CEP après le décret à travers le décret électoral après le décret circonscription électorale et mounio pral ka voter. Deuxième élément qui gagne qui fait pour partir de diaspora voter, c'est que je vous dis tout le monde qui est dans la diaspora, Jean TIE qui fait diaspora pas de voter directement dans le pays côté lié, nous mettez système d'identification. Je vous dis et au niveau de la République dominicaine, il y a 5 et oui, il y a 5 missions diplomatiques qui sont déjà équipées. Il y a plus que 40 000 personnes qui sont enregistrées, qui ont 4 d'identification côté en République dominicaine. Nan. Et aux États-Unis, il y a 5 missions diplomatiques et 7 missions diplomatiques qui sont équipées avec personnel côté Mounio Café 4. Ça veut dire que un monde qui était par exemple Miami, il pral dans le consulat Miami, il y a à peu près 7 bureaux dans le consulat que moi-même, moi, que moun nan capable faire quand li et la di côté rete aux États-Unis. Seul bagay, faut que l'haïtien donc faut gen acte de naissance li, extrait d'archive li ou bien acte de baptême li, jan sa mandé. Et moun sa ki al fait code d'identification nationale li, automatiquement moun sa fait partie de liste électorale qui nan zone côté lié à savoir Miami ou encore non situation plus large aux États-Unis d'Amérique. Donc, n'a pas permettre que moun sa yo capable de voter de côté yo ya, sans yo pas besoin de déplacer pour venir en Haïti. Et je vous dis, nous avons plus que 5000 moun qui ont enregistré pour gen 4 électorales et d'identification nationale des États-Unis étant. Donc, et nous pensons que le député a fait un petit erreur et nous pensons que prochainement, la fond intervention, la fête correction ça. Et journaliste métropole là a pour vous poser la question pour demander est-ce que le bien li bagayo pour faire une opposition constructive. Merci. Voilà, merci. Donc on a une question. Oui, Patrice, il y a une question que je personnellement pour me poser secrétaire d'État. Il dit que yo un insistant pile thème non c'est sous li plus bali en français. Est-ce que concours dissertation ça, on moun, on jeune, qui doit envoyer texte en créole? J'en note dit, d'ailleurs, moi dit thème en créole, m'a dit en français, bien que libellé en français. Nous gagnons l'anglais qui c'est créole ou français. Ça veut dire que n'importe qui qui a participé dans le concours, il est capable de faire et voyer dissertation en créole ou bien en français. Donc nous disons dissertation d'environ 4 pages maximum. Donc depuis yo prend yo inscrit dans même tout profiter webay.sef.gouv.ht ou bien SEF page Facebook SEF là qui c'est secrétaire d'état et bureau secrétaire d'état à la formation. Depuis yo rentré sous li pas oublier le pas gain professionnel la donne. C'est bureau secrétaire d'état à la formation. Li pas gain professionnel pour nous pas tromper de page et puis nous gagnons d'abayon l'autre adresse qui c'est et un moment nous gagnons SEF Haïti à commercial gmail.com que nous capables voyez et ma demande de nous t'a dit formulaire d'inscription hein? Mais depuis nous aller sur page Facebook là ou bien sur site là n'ab joindre et puis numéro téléphone 38 17 72 35 c'est téléphone bureau secrétaire d'état et m'a profité dit tout rappeler puisque nous t'ai dit déjà que c'est un ensemble de instances et gouvernementales qui ensemble et MJ SAC qui c'est jeunesse et sport et bureau secrétaire d'état communication et puis bureau secrétaire d'état
et qui lié avec question handicapé yo. Et puis nous gagnons bien sûr le ministre chargé des relations avec les partis politiques et chargé des élections, monsieur Mathias Pierre, et le ministre chargé de la citoyenneté et du patriotisme, et le ministre chargé des droits humains et de la lutte contre la pauvreté extrême. Donc c'est tout ensemble yo. Depuis nous gagnons texte yo, nous capables de déposer au ministre, vous permettez-moi, nous capables de déposer yo dans bureau ministère yo qui impliqué ou bien bureau secrétaire d'État. Sinon, c'est voyer directement sur page Facebook là ou bien sur site SEF là, puisque nous avons toute façon, que ce soit en numérique ou bien dans l'espace ça. Merci. Merci pour précision, le secrétaire d'État. Et Patrice Rizé, nous avons voilà, l'autre question. Et puis, date limite là, secrétaire d'État, rappelez, c'est 10 juin, date limite pour capable pour remettre les textes. 10 juin. Remise des prix 22 juin, date limite là. Donc, nous avons gardé nous toutes là. Prends plume nous, en français ou en créole. Patrice. Alors, on l'autre question, il y a un changement de compte. Merci. Et moi, j'ai essayé, je ne sais pas si je me dis assez élaboré. Les m'a parlé à le changement de constitution, nous avons dit agriculture c'est un commerce, c'est tout commerce. Nous pensons que dans le cadre du commerce, il y a des réglementations. Il y a des pour vendre, il faut gagner un marché. Et pour livrer produit, il faut le soutenir pour livrer l'autre. Et si il y a une instabilité politique qui, dès qu'il vient de naissance à d'autres formes de sécurité, il est très difficile. Lorsqu'un contrat, par exemple, pour vendre un produit à l'étranger, pour le sortir, on dit là, quel que soit pour l'instant, pour arriver dans un aéroport, pour moi, s'il parle dans l'avion ou bien dans un port, il y a une instabilité politique et puis il y a des hommes politiques après les affaires, il y a une conséquence immédiate sous l'agriculture. Parce que l'agriculture a finalisé, comme du Saint-Commerce, c'est vendre un produit, c'est faire l'argent là-dedans. Le trois pouvoirs, il y a un chirpit en trois pouvoirs qui crée une sorte de conflit en trois pouvoirs. Nous avons tous haïtiens comprennent, nous avons instabilité directement dans la rue. Nous avons instabilité partout, nous avons instabilité quel que soit côté lié. Et depuis qu'il y a un petit calme politique, nous avons tout le monde visible. Nous avons, par contre, c'est assez clair, tout le monde assez visible, les gens qui calment politique, et puis tout le monde va contre ça passer comme si c'était un miracle, et puis tout le monde va entrer dans l'ordre. Quand il y a l'autre petit troublage politique, une mésentente, et puis il y a remonté rapide, fait une sécurité, et là, je parle au nom du secteur agriculture, là, au nom du secteur agricole, là, mais en général, tout autre secteur est affecté par problème, insécurité ou bien instabilité politique. Là. Merci. Merci, monsieur le ministre. Alors, rapidement, deux questions. Je pense que c'est peut-être le ministre Mathias qui a répondu. Moi, besoin de plus d'explications sur le référendum. Non, merci. Et puis, on l'autre volet la question, ça. Et, ministre Mathias, depuis 1957, la constitution qui a été votée. Alors, comment nous avons expliqué que nous n'avons jamais arrivé à appliquer le comme ça, et puis nous, jeudi, nous voulons l'autre constitution? Bon, je pense que la première partie de la question, hein, sous question référendum, est très simple. Et quand on t'a expliqué expliqué à plusieurs reprises. Yon processus constitution, c'est que on peut décider on l'autre contrat de vivre ensemble. Ça veut dire on l'autre conclusion en de constitution. En constitution, c'est lui-même qui pour trans politique, on a parlé des hommes et femmes politiques, on va mettre tête ensemble pour d'accord. Pour nous réellement mettre constitution en application parce qu'ils ont peur. Puis gros peur gain, et c'est ça pour un pays à passer de on pouvoir élu transition, on pouvoir élu transition, on pouvoir élu transition. C'est parce que nègre, femme là, il peur à l'élection. Il t'a même pris un pouvoir sans le parler à l'élection. Ou bien s'il a l'élection, côté le toi à l'élection, il t'a même tout été là. Ça veut dire que nous avons une élection, nous connaissons sénateur 2 ans, sénateur 4 ans, sénateur 6 ans. Tout le monde connaît que c'est comme ça va aller, on est élu sénateur, mais comment l'élu? Et puis l'élu vient dans le Sénat, qu'on est le conseil pour 2 ans là, qu'on a commencé à faire gymnastique,
premier bagage il bloqué conseil électoral permanent. Il y a 4 tentatives qui faites déjà pour mettre conseil électoral permanent. 3 par président Matéli, et 1 par président Jovenel Moïse. Exécutif a désigné 3 mounes, et judiciaire a désigné 3 mounes, parlement n'a pas jamais de. Parce que dans la tête parlementaire, si pas de conseil électoral permanent, pas d'élection, donc il a net. Il va laisser négocier à président pour le carréton petit temps en plus. Loi électorale. Sous 34 ans, la constitution existait, pourquoi j'aime une loi électorale qui votait dans le pays? Et comme pas j'aime un conseil électoral permanent, pas j'aime une loi électorale, donc on toujours trouve une non-situation côté où on fait élection par décret. Donc qui vient faire qu'on toujours trouve une non-situation côté président, comme mandat aux 5 ans, le mandat est fini, le mandat parlementaire est fini, et puis président lui-même lui continue, lui dirige par décret. Et puis après ça, on dit que le président dirige par décret, on dit que c'est dictature. Parce qu'il a dit, mais pas un parlement. Parce qu'il constate tout simplement dysfonctionnement parlement. Donc parce que je vous dis, le référendum, là, c'est un processus pour impliquer le peuple là. En dans le processus démocratique là, pour lui dire oui, il est d'accord avec le texte qu'il si mettait devant là. Non, il n'est pas d'accord avec le texte qu'il mettait devant là. Le texte a sorti dans un paquet de débat. Merci. Voilà, merci Monsieur le Ministre. Alors, on a l'autre question qui est adressée plus directement à ministre Tourisland. Alors, Madame la Ministre, on parlait de pour touristes venus dans le pays, hein, côté stabilité, hein, et qui a venu avec nouvelle constitution, ceux qui sont basaux pour dire que nouvelle constitution a venu avec stabilité dans la mesure où même conférence épiscopale, conférence des évêques haïtiens, soutient notre pour dire que constitution ça a mené nous tout droit vers le chaos et son lourd fardeau pour le pays. Hein. Merci, téléspectateurs, là, pour question. Je ne vais pas dire ça. Je dis comme ça que tout outil qui amène stabilité politique, et nous constater, nous tous disons ça là, et nous tous connaissons tout, que l'instabilité politique là créée par conflit entre différents pouvoirs, Jean-Ministre Mathias Pierre se dit là, à chaque fois que pour un renouvellement politique comme cela se fait dans le processus démocratique, toujours un problème dans le renouvellement processus démocratique, dans le renouvellement, j'aurais dit, cheptel politique là, toujours un problème parce que toujours il y a des mouvements de, qui portent stabilité politique et vers transition, parce que justement, et à cause de incapacité, nous, en fait, encore une fois, pour nous mettre outils qui prévoient dans la loi pays. Donc, moi, je dis que tout outil qui favorise la stabilité, ça, qui, en premier, c'est l'instabilité politique, qui peut être toute l'autre instabilité, tout outil qui favorise ça, nous appuyer nous-mêmes et nous passer constitution ça justement qui peut-être pas parfait, toute œuvre parfaite c'est de bon Dieu le vini, mais kachita ensemble pour dire pas chita pour dire li pas bon et puis m'pa vlel mon kachita pour dire li pas bon on fait ensemble. Jean-ministre l'a dit ça tout à l'heure, on met ensemble on fait yon qui pi bon et là ça map chita map tando, et jusqu'à présent, m'a passé comité CCIA, c'est ça l'a fait. Chita tende tout le monde, sinon, on a une première version, ensuite une deuxième version. Parce que nous sommes d'accord avec. Donc, si chita ensemble, pas chita campé côté pour dire, li pas bon, mais c'est vini, dit, vini chita avec nous tous, li pas bon, non, mais nous avons fait le pi bon, encore une fois, on fait. Mais, et puis, Kounia n'a pas avancé. C'est ça seulement. Et ça, la bonne pour moi, la bonne pour l'agriculture, la bonne pour l'environnement et la bonne pour toute société, projet social que nous-mêmes n'avons cherché. Donc, c'est ça, moi, je voulais dire. Merci. Voilà donc, l'autre série de questions qui viennent nous directement au niveau de Cyprès. Alors, ministre de l'Environnement, là, nous gardons l'état d'élaborement environnement dans le pays d'Haïti. Qui ça qui gagne avant projet constitution qui permet nous de gagner un meilleur environnement par rapport à sa constitution 87 l'an dit. Et puis l'autre question qui vient, monsieur le ministre Mathias Pierre, moi nous confie en pile dans le référendum. Non. Mais là nous avons gardé mes aventures qui arrivaient, ministre Justice non, Jacques Mel récemment. Est-ce que vous toujours confiant par rapport à ça qui est arrivé là? En termes de sécurité pour le référendum. Non.
Essayez dernière série de questions, Patrice. Parfait. OK. Donc, si vous avez l'autre question, je vais toujours continuer vous. Peut-être que dans l'autre série, si près, nous sommes capables de poser. Tout à fait. Monsieur Septembre. Et me connaît avant projet de constitution, il y a trois articles effectivement qui parlaient de un environnement sain. Et dès que nous avons reçu voix, nous connaissons les articles 21, 22, 23. Vous voyez, et le droit à un environnement sain. Et me connaît d'abord le titre dit tout. Le droit, c'est un droit. Et ensuite, un environnement sain. Et maintenant, il s'agit d'interpréter le concept d'environnement sain. Naturellement, les trois articles parlent de nous toutes, ça n'a pas besoin de gagner. Mais ne serait-ce que c'est une loi mère, ou pas bien détail. Mais n'empêche que la consultation que nous avons fait avec acteurs, même si nous n'avons pas arrivé à toucher toutes, et dans le secteur, nous avons reçu quelques réactions et nous sommes capables de dire que nous voyons environ 5 points par conseil consultatif indépendant pour être capable de reformuler l'instance par eux, qui insiste et qui doit gagner et nécessité pour traiter l'environnement comme une urgence nationale. Mais également obligation par rapport à l'éducation relative à l'environnement, mais aussi l'action montagne qui est prédominante en Haïti et qui sont malépandiers liés, et finalement les autres espaces comme les aires protégées, les écosystèmes et marins que nous gagnons, eh bien nous demandons pour éléments et capables de faire partie de gros définitions, orientations qui sont capables de gagner déjà en dedans et constitution pour que effectivement nous vivions un environnement sain et qui est capable de permettre que nous arrivions à ce qu'on appelle le développement durable par des avantages sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan environnemental. Merci. Alors, moi j'ai des questions ça avec un pile attention. Même parce que c'est peut-être une opportunité pour nous dire un bagage. D'abord, mon journaliste a parlé de mes aventures, mini-justice et confiance. Et moi, dans le processus. Je pense que je vous dis, il y a un bagage que nous ne pouvons jamais arriver à faire en Haïti, c'est tolérance, pendant démocratie, n'a pas goumé pour démocratie, mais nous peu démocratie. Démocratie n'a pas fait ni dans violence, démocratie n'a pas fait ni dans monter tête en peuple qui a cherché travail, qui besoin de travail, qui grand goût, pour monter tête li, pour faire des choucages, pour faire des ordres. Démocratie n'a pas fait non plus par rapport à des anciens amis que m'habitue à faire politique avec eux, m'habitue à faire opposition, ça a relé des ordres. Je crois que c'est que si nous avons une nouvelle constitution, et je pense que il y a d'accord pour que une nouvelle constitution, 90% de l'enquête bail, il faut une nouvelle constitution. Tout monsieur qui a une face, il dit qu'il faut une nouvelle constitution. D'ailleurs, il dit qu'il faut gagner un état pour que nouvelle constitution, ça veut dire que vous êtes d'accord. Et transition à demandé, 7 février 2022, le mandat président Jovenel fini, dans les 10 pays, par qui formule et qui provision constitutionnelle qui gagne pour que gagne un monde qui arrive dans la palais. Et me songez bien, un ancien député qui était dit en 2015, le palais a été vide pendant 7 jours, à peu près 10 jours. Qui te dit, besoin 120 nègres
pour mal prendre parler à moi-même parce que le vide. Pas de provision constitutionnelle pour mon arriver dans parler. Pour qui ça? Parce que dans quatre premières années président, selon la constitution amendée qui est en vigueur qu'on y a, c'est premier ministre là, chef du gouvernement et l'ensemble des ministres qui vient pour assurer transition pour 120 jours pour faire élection. En dans cinquième année, c'est là dans nous là, si on vacance présidentielle, ça veut dire que le mandat président a fini. Il faut que c'est l'Assemblée nationale là, donc chambre députée avec chambre sénat, qui pour réunir, qui pour faire une élection de manière indirecte pour élu un président. C'est comme ça que tu es président en 2016. Je vous dis, pas de député, il y a 10 sénateurs, donc pas d'Assemblée nationale, sauf que ça veut dire pas de provision constitutionnelle pour un monde arriver dans la valeur. Maintenant, ça veut dire que nous avons entré dans des autres. D'ailleurs, nous n'avons pas même quand entendu de Oas sur l'opposition. Chaque lèvre goumen, et ça a dit en face l'autre, ça a goumen avec l'autre, etc. Fait intimidation, fait des autres. Ça veut dire que nous sommes déjà en 7 février 2021, nous avons eu au moins deux présidents. Il y a un président qui émergé, il y a l'autre qui est arrêté, etc. Donc, quand pile président. Donc, nous avons combien de nègres qui ont besoin de président. Donc, ça veut dire que je vous dis, moi, je pense que pour la stabilité du pays, nous venons pour nous organiser l'élection. Mais pour nous organiser l'élection, hein, faut que nous passions par référendum constitutionnel là. Et moi-même, je continue à dire, si on est quoi populaire, on fait quoi populaire, ou grand pile monde derrière, mobiliser monde qui est derrière, joue référendum là pour dire non. Voyez, dit non. Faites voter pour dire non. Et là, sa majorité non a remporté sous oui. Hein. Et moun ki kwe, ba yo chansyo pou yo al di oui, yo d'accord. Et le sa, démocratie a remporté. Et à titre d'exemple, pour me finir, me songe que en Angleterre, moun yo te vle sorti pour Angleterre sorti en Europe. Yo fait un référendum qui était le Brexit, moun al vote. Sak pas d'accord, vote yo pas d'accord, non. Sak d'accord, vote oui. Et à la fin de la journée, majorité a remporté et mes décisions à aller. Je pense que c'est ça la démocratie a de dire. Si on est démocrate, je pense que aujourd'hui, le président Jovenel est sorti parce qu'il est dans fin mandat. Et dans fin mandat, il y a un bagage que le constitution Mandel, c'est pour faire élection. Maintenant, nous avons une opportunité pour que nous capables mettez pays à sous de stabilité pour ne pas recommencer dans même samedi dans 50 sous de passé là. Et bien pour nous rentrer dans route stabilité a demandé que la constitution, tout mandat, tout le monde pour 5 ans et élection faite en seul tour, j'ai une constitution demandé là, nous permettre femmes intégrer avec des séries, nous permettre jeunes entrer, nous permettre diaspora à voter, j'en nous faire là, et nous permettre que paysans yo dans cadre décentralisation participer dans le pays hein? Et si nous fait ça et dans sens ça moi-même moi très confiant que démocratie a de remporter et démocratie remporter le peuple là nous quitter paisiblement à le voter pour l'exprimer ça le croit et c'est là ça nous capable faire pays avancer de l'avant. Merci tout le monde. Merci, merci tout le monde. Nous arrivons dans la fin deuxième sortie si près pour jeudi 3 juin 2021. Nous remercions le bureau ministre Mathias Pierre qui a coordonné l'activité ensemble avec nous, ensemble avec le ministre de la Communication. Faut nous dire Cyprien a fait sous leadership ministre de la Communication, ensemble avec le bureau ministre Mathias Pierre et tout l'autre membre du gouvernement. Nous avons gagné un gros plaisir aujourd'hui pour nous recevoir dans la deuxième sortie Cypria. Et ministre Mathias Pierre, bien sûr, qui a mené le projet ensemble avec nous. Nous avons gagné le ministre Tourisme, Mme Myriam Jean. Nous avons gagné le ministre Agriculture, M. Sévère. Nous avons gagné le ministre Environnement, M. Septembre. Et vous-même, comme ministre, vous êtes venu parler de rôle et secteur paroi dans le processus changement constitutionnel. Ça. Et en tout dernier lieu, tout, nous avons gagné. Et secrétaire d'État à la formation, qui c'est Madame Maggie Diossé, lui-même qui devine parler nous de concours ça, et qui lançait concours de texte. Pas oublier,
date limite pour voyer, pour déposer les textes, c'est 10 juin. Donc, pressé, pressé, en français ou en créole pour dissertation ça. Donc, je dis tout le monde merci et nous voulons remercier Radio Nationale, Télévision Nationale, Radio Télé Guinée, Radio Télé Caraïbes, tout l'autre média qui était d'accord pour retransmettre le programme ça, deuxième sortie Cyprès. Et nous avons rendez-vous mardi prochain pour l'autre Cyprès et demain. Et à gagner avec comité consultatif là tout et dernier débat et non à continuer donc à toujours un débat demain et c'est lundi, mercredi, vendredi et nous même si prêt n'a pas mardi et jeudi. Merci tout le monde, Patrice Mérisier, équipe technicien ministère de la communication, équipe bureau ministre Mathias Pierre et puis tout le monde qui mobilisé pour tes travail pour permettre nous porter jeudi à deuxième sortie Cyprès. À bientôt et restez, pas oublier, toujours restez très très vigilant, continuez à suivre toute consigne de distance sociale, distance physique et lavez nous et pas mettez nous dans les yeux nous, dans les nous, dans la bouche nous pour nous capables vraiment goumer, couper qu'aucune chaîne maladie ça qui est le coronavirus. Merci tout le monde et à bientôt. Voilà, et merci avec tout le monde qui débranché, écoutez cap tendez dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.